On va poursuivre tout de suite avec Charles Milliard, qui est PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonsoir, M. Milliard. Bonsoir, Mme Saint-Arnaud. Donc, de l'aide prolongée, mais restreinte pour les entreprises, là, en fonction de leur situation. Qu'est-ce que vous pensez de la formule adoptée par Ottawa? Je pense que votre collègue l'a très bien expliqué. C'est des excellentes nouvelles qui nous viennent d'Ottawa aujourd'hui. La communauté d'affaires a l'impression d'avoir été entendue. Ça fait des semaines, même des mois, qu'on demande la fin de la PCRE et une reconversion vers d'autres types d'aides pour les travailleurs qui sont encore dans le besoin. Alors ça, on est très satisfaits. Puis aussi la prolongation des mesures, là, entre autres le programme d'embauche pour la relance économique et un certain volume de subventions salariales. Parce que même si on comprend là, qu'on est dans une certaine embellie, une certaine éclaircie dans plusieurs secteurs d'activité, mais il y a encore des secteurs où c'est difficile. Il y avait une série de papiers cette semaine, entre autres, sur le secteur culturel, où bien que les salles peuvent être occupées maintenant à 100 %, les gens ne sont pas nécessairement présents. Alors, c'est la même chose dans le secteur touristique, où on n'a pas eu tout le cycle d'une année pour se reprendre. Alors, c'est normal qu'il y ait cet effet-là entonnoir, mais le fait que ce soit la fin du mur à mur, là, c'est une bonne nouvelle pour nous. Bien, justement, un programme spécifique pour l'industrie du tourisme et de l'accueil annoncé aujourd'hui, mais seulement pour celui-là. Est-ce que c'est suffisant, à votre avis? Mais écoutez, moi, je suis d'accord avec le premier ministre Trudeau qui dit que c'est logique d'arrêter d'avoir des solutions qui sont trop larges. Alors, dans une perspective de finances publiques, vous l'avez mentionné, ça a coûté 289 milliards. Alors, cet ajout-là de 7 milliards, c'est normal que ce soit un peu plus restrictif. Maintenant, si c'est trop restrictif et qu'on passe à côté de l'objectif parce que les gens ne sont pas capables d'avoir accès à l'argent, on pourra en reparler. Mais pour le moment, c'est certain que les secteurs les plus touchés, c'est ceux qui ont été identifiés par le gouvernement. Alors, nous, on est satisfaits de ce côté-là. Mais est-ce que vous croyez, justement, qu'il y en a des entreprises qui ne font pas partie du secteur touristique, mais qui vivent des difficultés en raison de la pandémie et qui, là, en raison des critères qui ont été énoncés aujourd'hui, ça va être difficile pour eux? Ça va être un fardeau administratif de démontrer qu'ils subissent toujours les conséquences de tout ça pour avoir de l'aide? Écoutez, je pense à des membres chez nous très précisément qui vont devoir faire cette démonstration-là, mais encore une fois, dans une perspective de finances publiques, d'avoir un comportement citoyen, je pense qu'après près de 300 milliards de dépenses, c'est normal de devoir faire une justification. Il faut simplement s'assurer que les gens aient accès à l'argent. Quand on a fait le début de la subvention salariale, il y a des pans entiers de l'économie qui n'avaient pas accès parce que les règles n'étaient pas suffisamment claires. Alors, donnons la chance aux coureurs, mais c'est évident qu'il y a, des gens à l'extérieur du secteur touristique qui vont avoir besoin d'aide encore. Oui. Cela dit, M. Milliard, comme vous le savez, ces programmes-là devaient prendre fin le 23 octobre, c'est samedi. Et là, on a l'annonce trois jours avant l'entrée en vigueur de nouveaux programmes ou de la fin de certains programmes. Ça ne laisse pas beaucoup de temps là, à vos membres de se retourner, là, si vous voulez. Bien, c'est plutôt rapide, mais écoutez, si on parle de prolonger une aide, on va pas rechigner non plus là-dessus. Pour ce qui est de la PCRE, je conviens que c'est assez rapide, mais en même temps, je pense que les gens devaient s'y attendre parce que ça fait longtemps qu'il y a plusieurs acteurs qui mentionnent qu'on devrait diriger les gens qui ont encore besoin vers d'autres programmes comme l'assurance-emploi, qui va d'ailleurs subir aussi une grande réforme là, dans le prochain gouvernement. Alors, ça va être à suivre aussi. Oui, et là, juste vous ramener sur les mesures, les programmes là, qui sont prolongés. On parle d'une prolongation de 6 mois, hein, jusqu'au 7 mai 2022. Alors, Christopher Freeland dit que l'économie est presque remise à 100 % de cette crise-là. Est-ce que c'est justifié ce 6 mois de plus pour les prestations? En fait, c'est une excellente nouvelle qu'on ait enfin un peu de prévisibilité parce qu'on était souvent pratiquement au mois ou aux 2 mois. Alors, d'avoir 6 mois, je pense que Mme Freeland a probablement pensé au secteur touristique, à l'hôtellerie, pour qu'il puisse avoir un cycle complet de reprise économique avant de pouvoir cesser. Alors, dans la mesure où les critères sont suffisamment clairs et restrictifs pour faire une bonne gestion des finances publiques, moi, je pense une excellente nouvelle qu'on donne le plus de prévisibilité possible aux entreprises concernées. Oui, je vous entends, M. Milliard. Vous semblez heureux d'à peu près tout ce qui a été annoncé aujourd'hui et je présume y compris de la fin de la PCRE. Ça doit être un frein de moins pour l'embauche pour les entreprises? Bien, alors, j'hésite pas à être critique quand il faut l'être, mais là, je vous avoue qu'aujourd'hui, je pense qu'on a été entendu. Ce sont des bonnes nouvelles et je rappelle aux gens qui touchent la PCRE en ce moment, qui m'écoutent, on ne dit pas que vous ne devez pas recevoir d'aide. On dit qu'il y a d'autres programmes et que la PCRE en ce moment, qui est l'ancienne PCU, d'ailleurs, les gens l'appellent encore la PCU souvent, ça envoyait un mauvais signal quand on pense qu'on a 195 000 postes vacants encore au Québec. Alors, mettez-vous dans la peau des entrepreneurs quand ils voient une mesure comme ça perdurer. Alors, pour ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous pensez même qu'avec la fin de la PCRE, dès le mois d'octobre, dès le mois de novembre, on pourrait avoir un impact là, dans l'embauche et dans le taux de postes vacants?
Bien, c'est à souhaiter. Je pense que chaque millier d'emplois qu'on comble, on va l'accueillir. Évidemment, ce n'est pas la solution à combler l'ensemble de la pénurie de main-d'œuvre. J'en suis très conscient. Par contre, il y a des gens, par exemple, qui sont travailleurs autonomes, qui pourraient être tentés de se diriger vers un emploi salarié pour la prochaine année ou les prochaines années. Alors, honnêtement, pour les entrepreneurs, on va prendre tout ce qui passe pour régler ce problème-là de On vous pénurie de entend main-d'œuvre. bien. Merci beaucoup d'avoir été là, Monsieur Milliard. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.